On joue à Moomin. J'espère que pour vous savoir, je suis pas du tout en train de craquer. Le jeu disait penser à... Oui, ça c'était dans les paramètres, c'est ici. Et là, c'est dans audio. Oui, c'était dans audio, je sais plus. Divers, oui, c'est ça, c'est quelque part là. Graphisme. Sais plus. Il y a un endroit où il y a marqué mode streamer, voilà. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Donc on joue à Snufkin, on est à la fin. Peut-être qu'il y aura un peu trop d'affichage. Dites-moi s'il y a un problème de sous-titres, bien sûr. On en était au moment d'aller chercher le bateau pirate. Et bien sûr, on a appris à faire ça. Toujours en trop. Encore un, il m'en manquait un. Alors attendez, parce que comme ça. Bon, ça marchait? Je te dis d'activer le mode streamer, mais encore. Ce matin, il y a eu des rebondissements de stream aussi. T'as loupé le préquel de... Sérieux? Non mais là c'est activé, c'est bon normalement pour le mode streamer. T'as eu des problèmes aussi dur du neuf. Donc normalement le jeu est sympa en qualité. C'est juste que là j'ai la barre de tâches qui me fait chier mais j'arrive. Ok. C'est juste que je voulais essayer No Man's Sky, mais du coup on va essayer No Man's Sky juste après, mais l'ordinateur va juste mourir. Vous allez voir, ça va être magnifique. Ça va être une explosion en l'air. Et d'ailleurs, je comprends pas la barre de tâches, tu veux pas te barrer en fait? Pourquoi ils considèrent que c'est en mode tablette là? Bon, c'est pas trop grave. On va jouer comme ça. Juste que ça me stresse, il y a la souris. Bon. Ouais, donc du coup, on a joué à Moomin, on est à la fin. Il reste pas grand chose à faire. Retrouver Moomin majoritairement. Donc le sous-titre, il a dit Moomin. C'est vomis. Mou-mince. Mou-mince. Ok. Un peu mieux déjà. Donc je disais, ouais, hier que c'est vachement bien d'avoir un jeu où on peut jouer d'une main. Ça permet de faire autre chose, genre boire. Je monte un peu le son parce que quand même le son est bien. Alors oui, mais... Peut-être plus facilement en anglais, je pense. Ça comprend bien l'anglais, à mon avis. Comment je fais pour arriver de l'autre côté? Où il y a des... Il y a du... Il y a de quoi passer par de l'autre côté, là, ou pas? Comment on fait pour aller chercher ce chef-d'œuvre? Après, en haut, le raccourci est là. Peut-être en repassant tout à l'heure.
Alors normalement il est censé disparaître, hein. Peut-être que je parle un peu trop rapidement, mais normalement c'est censé disparaître au bout d'un moment. Faudra juste se rappeler de où c'est, hein, parce que moi je vais oublier. C'est là. Ah bah c'est cool ça, c'est les accents et les sous-titres, ça c'est cool ça. Du coup, petite bulle était passée pour sur le stream et m'avait filé ce qui avait été utilisé pour Furax, mais en fait finalement c'était le même truc que moi j'utilise, qui est Closed Caption, sauf que j'avais pas mis la version retranscrite directement à l'écran. C'est-à-dire que vous avez la version Twitch où vous appuyez sur CC et ça marche quoi. Là, j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir avec la feuille. On va revenir en arrière s'il y a un problème. Ah non, c'est bon, c'est là. Oulala, là là, c'est pas logique. C'est pas logique, on a continué tout droit et on est arrivé là. C'est bizarre. Attends-moi, petite tortue! Ah, elle fait dodo. Ah, ça m'intéresse pas, ça. Oh là là, le jeu de l'enfer. Je vois ce qu'il faut faire. En plus, il y a les deux côtés pour aller. Oh là là. Ok. Vite! Vite! Ah, vite! 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 Mais après, c'est bien parce que c'est. Au niveau de l'âge, c'est vachement bien. Dans le sens où. Au niveau de l'âge, je pense que ça doit être cool comme jeu à débuter. Oh! On dirait que je suis coincé. Quelle surprise, petite Mu! Viens à la rescousse! Petite Mu! Mu! J'apprécie. Peut-être les sous-titres on les baisse un peu. Que je vois là par rapport à l'écriture, c'est un peu haut. On va encore baisser. Toujours dans le cadre, hein. Ouais. Voilà. Là c'est à zéro. Donc non, c'est un peu abusé, mais. Voilà. Merci, j'apprécie. Tu vois, ce n'était pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Épargne-moi les grandes effusions. Ne me fais pas regretter de t'avoir tiré de là. Ok. Hit-me! Le voilà. Oh, mon trésor.
Rien qu'un message. Ce trésor a été confisqué par le gardien du parc. Je vous ai dit qu'on peut faire la sieste dans ce jeu. Le bateau pirate et la voile est intacte. Oh, quelle joie, ton vœu s'est exaucé. Allez, hop, déjà on sort, bim. Retournons au bateau de Papa Moumine. Oh, ce gardien du parc va voir ce qu'il va faire. Ah, Moumine, ça a marché là. Nouvel objet. La voile. Exploiter la puissance du vent et propulser des bateaux à travers les vastes... Je sais pas, océans. On va se faire un pont et on va lancer des pierres quelque part. Alors, le roleplay façon de parler, hein. je ne fais pas de voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais je lis. Et après, il y a des passages qui me font rire, donc je lis un peu plus. Bonjour, comment allez-vous? Oh, je vais fabuleusement bien, comme toujours. Et comment pourrait-il... Alors, c'est cheval, hein. Comment pourrait-il en être autrement lorsque je sais au plus profond de mon être que je suis la plus belle créature qui existe? J'admire votre confiance. J'affirme et j'atteste que rien au monde n'égale ma beauté. Rien, vraiment. Allez-y, je vous mets au défi de trouver quelque chose qui ait autant d'allure que moi. D'accord, je vais essayer. Une jolie chose. Trouve quelque chose d'aussi beau que le cheval. Ouais, mais il n'y a pas de perles. J'avoue, faut tester. Alors, attends. Donc, du coup, oui, je vais me la péter 3 secondes. Deal with me. Si vous voulez entendre mes intonations nulles, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Arcani Corvo. J'ai prêté ma voix. Je peux me la péter officiellement. Attendez, parce que là, j'ouvre internet, c'est compliqué la vie. C'est compliqué. Hop. Kaleidoscope. Mais laissez le cheval. Cheval a raison de penser qu'il est belle. Je confirme. Je sais pas pourquoi il faudrait aller chercher. Mais je vous envoie le lien. Hop, bim, bim. Le lien de la vidéo où je suis sans intonation. Ça c'est mon problème. Voilà. Moi je juge ma voix bien entendu comme toutes les personnes qui s'entendent. Alors comment on va faire? Parce que moi j'ai un truc mais je sais pas si ça va fonctionner. Dans mon inventaire j'ai quelque chose. J'ai ça. Est-ce que c'est beau ça? On va lui proposer ça. Hein. Non, ça marche pas. Alors. Là, on a beaucoup de quêtes. On a même pas trouvé les vêtements de Nini, là. Et ça, c'est sur la carte qu'on peut voir, j'imagine. Et la carte, elle dit quoi? Ah, faut que j'aille de l'autre côté? Bon. Trouver 3 tonneaux et réparer le bateau. On n'est pas loin. Faudrait que j'aille là, pour libérer les panneaux. Il semble que le meilleur moyen de traverser la rivière serait de trouver de libérer les tonneaux. Déjà fait, non? Ben n'hésite pas, elle est très bien. Et c'est pas parce que je suis dedans.
C'est parce que y a Ice Rage dedans. Moi, je propose, on fait un pont par là. On va casser le game. On peut aller loin comme ça, on peut traverser, je pense, toute l'île. Ça continue, mais attendez, on va essayer. Hein. Non, mais le jeu, il nous permet de faire ça. Mais c'est trop bien. Attendez. On va continuer. Hein. Je sais pas où jusqu'on va, mais on va aller out of band, hein, comme on dit. Attendez, faut que je regarde la carte, parce que là, où on va là. Où on va? Ah, c'est pas indicatif. Et vous pensez qu'on peut rejoindre ici? Ça, c'est des ouvertures ou pas? Non, ça, c'est des... Ouais, bon. Je tenterai un jour. Ah oui, je connais cette technique. La technique du miroir. À la fois outil fonctionnel pour la toilette et œuvre d'art ornementée. J'ai trouvé quelque chose de plus beau que toi, cheval. C'est toi. Waouh. Ça a un sens, hein. Que pensez-vous de ça? Oh. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Oui, c'est un très joli miroir. Mais non, je parle évidemment de mon reflet. Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous me laissiez un moment de solitude pour l'admirer. Ah d'accord, bon bah au revoir. Ouais, on s'est débloqué. Mais je comprends pas, du coup on n'a pas débloqué le reste. Ah oui, parce qu'on avait pas le tam-tam de l'autre côté, c'est vrai. 13h15, c'est 13 bis voice acting. Ouais, ça a l'air... C'est parfait. Moi, allons-nous en dessous. Non, mais moi, je veux pas partir maintenant. Il est vraiment 13h15? 13 minutes 15, ah. J'abandonne un peu le truc. Hop. On va nettoyer l'île de tous les chefs-d'œuvre de Papa Moumine. Je m'en vais de ce pas vérifier. Il doit y être 13h15 quelque part. Ah, vous voyez le pirate qui creuse toujours. La rumeur dit qu'il y a un bateau pirate dans les environs. Ouais, ouais, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Alors, on va repasser par là, mais parce qu'on a des trucs à aller chercher, je crois. On pouvait pas aller chercher. Pas par là. Si, c'est par là. Pas l'air d'être par là. Alors, la carte nous indique que nous devons aller plus haut. Mais l'histoire des tonneaux, je l'ai déjà fait, je comprends pas pourquoi. C'est peut-être pas les mêmes. Je les ai pas bien libérés. Les Atifnat. Bonjour, bonjour. Là, il y a tout ce que j'ai débloqué déjà. Ici, peut-être.
Ah, ah, ah. Un chef-d'œuvre de Papa Moumine que je suis pas allé chercher. Bain. Ah, bah voilà. Pas jusqu'où. Il y en a un. Très bien. C'est ça le troisième? Possible. Je vérifie. Bon, ça fait partie de 1, apparemment. Et c'est possible que j'en ai oublié que un, mais... Là, on en a plus. On veut toi. Mais on est déjà passé par là, ça je sais. D'accord. J'en ai libéré qu'un, mais d'accord, mais après c'est... Je fais quoi? Pourquoi la carte elle me dit qu'il faut que j'en libère 3 alors que j'en ai déjà libéré. Enfin, pour moi, je l'ai déjà fait ce truc là. Trouver 3 tonneaux et libérez-les. Bah, c'est ce que j'ai fait déjà. Il a pas accepté la dernière fois? Joli, encore quelques années, tu pourras devenir un pirate potable. Okay. Ah bah c'est bon. Ah bah c'était. Ah c'était lui qu'il fallait que je voie. D'accord, bah super. Merci, au revoir, ciao. Je rentre chez moi, hein. Ah oui, 13h, 13 minutes 15, c'est dans la vidéo, je comprends mieux. J'étais en train de réfléchir à... Salut, Nestor Koff. Alors, on rentre chez nous. Hein. Oui, c'est utilisé dans la vidéo. D'ailleurs, René. Moumine, donc ça c'est bon. Les vêtements, donc c'est de l'autre côté. Les ingrédients du rat, c'est de l'autre côté aussi. Bon, du coup, il nous suffit juste de rentrer, voir Moumine et le gardien du parc. Salut Mu! Ah oui, les algues, on peut pas les ramasser ici. Plus tard. Go! Merci Ranae d'utiliser ce truc. Ok, ok, ok. Nous revoilà. Donc du coup... Vous avez entendu, le gardien du parc a arrêté Moumine le troll. Il le tient prisonnier dans son manoir et à l'est d'ici.
Ah ça, il va m'entendre. T'as le fouineur malpoli, kidnappeur de moumines, accapareur de trésors. Ok. Salut, petite mue. Confronter le gardien du parc. Non mais d'accord, mais en fait on a d'autres choses à faire. Genre trouver des cèpes. Récupérer les vêtements, on va aller voir ça. Ah mais ça on l'avait pas, ouais. Aha! Bah, peut-être un truc en plus... non? Non. Il y avait plein d'endroits où on pouvait pas avoir accès. La plage. Oui, il y a le Nini qui est là. Après, Nini est là. Faudra lui ramener ses fringues. On va retrouver Nini parce que Nini est invisible. Ok. Ensuite, il y avait peut-être en haut quelque chose avec le tambourin. Avoir des cèpes. Ninisible, exactement. Là, on peut faire la sieste. Best jeu. Je vous le dis direct. Best jeu. Qui aurait pu penser qu'on pouvait faire la sieste dans un jeu? Et ça, c'est vachement bien. La sieste au cairn. Ça, c'est la course des petits bâtons et grands bâtons. On a gagné, en trichant, bien sûr. Avec le meilleur sound design du jeu. Le pont. Ça, c'est tout en haut. Je sais plus ce qu'on... Il nous fait quoi celui-ci? Ah oui, c'était pour lâcher le petit bâton. Je crois. Non, je sais plus. Il y a un truc. Merci pour les points. On va passer par là. Incroyable. L'arbre, incroyable. Ah, c'est le bracelet cheville de Mademoiselle Nord qui nous a rien demandé. Bah, c'est très bien. Et le bracelet. Bon, même la quête. Quoi? Jamais monté aussi haut. Oh, Zelda. On va passer. D'accord. De l'ortie. Qui recèle des richesses saveurs dans ses feuilles qui regorgent de nutriments. Ça veut dire fais ta soupe de ortie. Raccourci. Comme dans Dark Souls. On est revenu à petit bâton. Incroyable! Le raccourci de l'enfer.
Oh, meilleur jeu, il n'y a que des raccourcis. Ok, donc ça c'est l'arrivée. Bon. Normalement, on a fait de ce côté-là. Ah, on n'est pas descendu, je crois qu'il y avait en bas aussi. Ça, c'est un raccourci normalement pour la maison Moomin. Ah! Quoi? Ah non, c'est fantôme. Alors, on est du côté de la de fantôme. Donc, du coup, nous sommes là. Il faut qu'on descende là. Récupérer les vêtements d'abord. Salut, fantôme! Regardez-moi! C'est moi le plus terrifiant! Ah, mais attendez, pourquoi il n'y a pas l'eau qui arrive ici? Il y a un truc, il y a un truc. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen d'arriver, de remplir ce bras d'eau. Ouh, avec le ton fantôme professionnel. Exactement. Exactement. Et, ah, on peut les faner tout. Et ils restent fanés? Enfin, ils font dodo, quoi. Cas où. T'aurais vu comment on l'a aidé, fantôme? Tu dirais la même chose. Alors, du coup, on est retourné à côté de chez Moomin. D'ailleurs, maman Moomin, elle a dit qu'il fallait qu'on l'aide pour ses... Pour ses plantes ou pas? Je sais plus, moi. Ça a l'air d'aller. Il y a un problème de plante là. On va faire la musique, je pense. Ça peut aider. Ah, il y a un gros problème de plante. Hein. Je pense que c'est le futur, c'est qu'on va devoir faire ça. Il y a un bras d'eau encore en bas. Ok. Donc il faudra ouvrir les bras d'eau. Alors, normalement, les fringues de Nini sont pas loin. Voilà. C'est là où je pouvais pas aller avec sans le tambour. Les plantes, c'est par manque d'eau, je pense, ouais. En fait, il y a eu. Tout le monde était. Quoi? Ça marche avec ça? Avec le tam-tam? Mais attendez, faut que je revienne tout en arrière. Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave, je serai pas niveau max, mais c'est pas grave. Ah, voilà, on va libérer. C'est à cause des fourmis, apparemment. Bah, en fait, personne nous a demandé, donc. Pour le bras d'eau, donc du coup j'imagine que c'est ça. C'était à cause de leur hibernation. Vu que les Moomines hibernent, là on devait retrouver Moomine au pont, mais Moomine n'y était pas. Et en fait on a appris que c'était à cause des keufs. Comment ai-je fait pour me retrouver ici? Ah c'est vrai ça. Ah non, en plus elles sont chiantes les abeilles, elles font que se balader. Et c'est vraiment très dur avec la flûte. Faut que je monte? Ah oui. Et c'est parti. Bien le bonjour! Oh! Thibou! Bonjour le bonjour vagabond. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Je pense que c'est plutôt toi qui as besoin d'aide. Oui, on dirait bien. Attendez, je vous montre la tête de Thibou. Je suis désolé. Comment as-tu fait pour te retrouver là? Oh, c'est une longue histoire. J'ai le temps. Même pour moi? Eh bien, je suis parti de chez moi. Je me sentais trop seul et j'avais envie de parler à quelqu'un. J'ai fini par rencontrer quelqu'un. Enfin, je crois. C'était une bouteille contenant un message. Mais c'est déjà bien, non? Elle s'appelle Tichoun. Tichoun. Cela dit, je trouve le monde extérieur un peu effrayant parfois. La nuit dernière, j'ai entendu des hurlements horribles, alors je me suis réfugié dans cet arbre. Je crois que ça a mis ces abeilles en colère, et maintenant, j'ai trop peur de redescendre. Je pourrais essayer de les calmer.
Vraiment, si cela ne vous embête pas trop. Ça va être dur, mais on va le faire. Vu qu'il n'y a pas de diagonale dans ce monde. Ah, ça fait deux. Wouah. Me parle pas en même temps, c'est trop compliqué. Mon dieu, la trouverai-je un jour? Ouais, c'est bon. Voilà, vas-y. Je ne peux pas. Pourquoi? J'ai peur. Eh bien... Alors, je suppose que tu vas devoir rester là. C'est peut-être la meilleure solution. Je suis en sécurité ici. Et je n'ai nulle part où aller. Et alors, cet ami? Chun! Elle a besoin de moi. Merci, Thibaut. Nous avons réussi, nous l'avons fait ensemble. Je suis niveau 7. Oui, c'est souvent plus facile. Merci. Et maintenant, je vais aller voir mon ami. J'espère sincèrement qu'il la trouvera, cet ami. Salut, Thibaut. Des fleurs partout. Ah non! Ah non! Ah non! Comme quoi, il faut pas marcher dans les parterres de fleurs. Ah, ah. On est à côté du bras d'eau. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs à débloquer ici? Non. Non, non. Eh, mais je suis en train d'y penser, mais si... Si Nini est invisible, ses vêtements sont peut-être invisibles. Bien le bonjour. Émule amateur d'insectes. Mumrik, j'avais justement besoin de toi. As-tu un moment? J'ai besoin de nouveaux papillons pour ma collection. Il m'en faut 3 pour être exact. Bien sûr, je peux t'aider. D'accord, du coup c'est dans la prairie des fleurs, j'imagine qu'il faut trouver les champignons. On va se faire embrouiller par les abeilles. Je connais ce bail. Le meilleur perso. Stinky, qu'est-ce que tu as dans les mains? Ah, c'est juste des nouveaux vêtements qui m'appartiennent. Ils ne sont pas à toi. Ah, je m'en fiche complètement, attrape-moi si tu peux. Ah là là. Alors attendez. Faut que je cours et que je tape. Ah, c'est pas le bon. C'est pas le bon truc. Voilà, c'est bon. Ça y est, tu es fatigué? Pas du tout. Allez Stinky, donne-moi le reste des vêtements. Jamais. Mais elle les écrase. Trop marrant de courser un gars avec le tambourin. Voleur. Parle pour toi. Je ne te pardonnerai jamais. Je pense que je peux vivre avec ça. Allez, go Nini. On va essayer d'aller vite. Salut le fantôme. Oh, une algue. Personne m'a demandé les algues aussi.
J'ai tous mes doigts au même endroit. C'est une blague. Allez. Fini. Voilà, je crois qu'il y a tout. Oh, merci, c'est si gentil de votre part. De rien, ça me fait plaisir. Et dorénavant, je ne te marcherai pas plus sur les pieds accidentellement. Ok, maintenant qu'on a fait ça. On a les... encore les chipolatas, là, comment ça s'appelle. Collecter tous les papillons, voilà. On a les ingrédients du rat musqué, mais ça, on va avoir du mal à trouver les cèpes ailleurs que là où on doit chercher. Et du coup, je sais pas, on en a 2 sur 3. C'est ça qui est un peu chiant. Je pense que j'ai dû passer juste à côté, mais je l'ai pas vu. Rendu trop bas ? Ah non. J'ai même plus par où je dois aller. Oui, d'accord, mais est-ce que je suis sur le bon chemin de, des papillons? Là, je crois pas. Hein. Je pense qu'il fallait monter en haut. Oui, c'est en haut. Monter en haut, bien sûr. Les vrais bails. Je sais pas comment on va choper les papillons, par contre. Ah là! Mais non! Mais je me trompe. Mais... cette diagonale de l'enfer. Tu vas trop vite! Le papillon! T'es où? T'es parti par là, quelque part ici. Là. On va lui ramener déjà. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi il veut attraper les papillons. Très bien, tu en as trouvé encore un. Encore deux plutôt. Ok, ok. On est pas parti. Encore ? Même c'est au même endroit. Incroyable. Attends, il est parti où ? Là. Mais il se fout de ma gueule ! C'est super dur. Ils font des virages serrés. C'était là, je sais. Formidable, plus que un. Bon, ça va être plus simple que je pensais, hein. Les cèpes étaient plus durs. Ok, ok, c'est pas là. Là. Ah non, mauvais cliquage. Mais tourne. Il accepte pas les multiples commandes. Ah. Bon. Ah, j'ai pas besoin de le tenir. Ok. Je vais courser par un papillon. Ah.
Merci, ma collection de papillons est complète. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant. Je crois qu'il nous reste que... Ah, les ingrédients, confronter le web, bah, c'est la même chose. Les ingrédients du... Trouver deux chanterelles, mais ça je sais pas où les trouver. Ah mais je crois que c'est pas ici en fait. Hein. Je crois que c'est du côté des... Mais si, ça doit être là normalement, ça doit être quelque part ici. Peut-être de ce côté. On va continuer, on verra. On n'a pas traversé le champ de la dernière fois et on n'est pas allé en haut. Donc ça se trouve, il y en a là-haut. Ah mais c'est le parc. Ça là. Ah le vieux théâtre. Non, j'y suis pas allé ici. Et on peut monter là les marches ? Caché. Une autre sieste. Waouh, trop bien. Non, l'oiseau, il me suit pas. Il n'y a pas besoin de me suivre. Il m'a juste donné des points. Je pense que je ferai des... Je ferai le tour des endroits de sieste. Et je ferai des temps d'attente comme ça. Et c'est plutôt agréable. Descendre là... Ah oui, là c'était où il y avait Stinky. En fait, il y a certains. Les oiseaux, majoritairement, il y a très peu de choses qui me suivent vraiment. Comment pourrais-je continuer? Je me le demande. Qui c'est que c'est? Bah. Bonjour. Mademoiselle Snork. Bonjour, Mumrik. Mademoiselle Snork, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tout. Enfin, peut-être pas tout, mais un oiseau sorti de nulle part m'a volé mon bracelet de cheville, j'y tenais beaucoup. Je tiens énormément à ce bracelet de cheville, et maintenant je crains de ne plus jamais le revoir. Eh bien, figure-toi que je l'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ton bracelet de cheville. Vraiment, merci mille fois, Mumrik. Tout le plaisir est pour moi. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir en retour, mais peut-être pourras-tu être précis ce texte incohérent que j'ai trouvé. Merci pour l'inspi. Oh, on dirait que c'est l'une des pages du chef. Elle est où? Elle est où, la chef? La page, elle est où? Oh, une ruche. Oh, un puits. Mu! N'a rien de plus important à faire? Non. Et toi? Non. Et maintenant, j'ai quelque chose dont tu as besoin. Je ne veux pas faire un échange. Je veux bien faire un échange, mais ça va te coûter cher. Quelle surprise. Je vais avoir besoin d'un nouveau jouet. Sniff en a probablement un, mais pas ce Cédric machin. Il demande beaucoup trop d'attention. Je l'ai. Très bien, je vais mettre ça en premier dans ma liste de priorités. Je l'ai déjà, hein. C'est le mule. Les mules que j'ai. Est-ce que c'est du sarcasme? Mumrik, je suis fier de toi. Voilà, un jouet émulé. Émule. Ah, parfait. Et voilà pour toi. Et voilà. Une poupée pour petite mue. Et voilà, voilà. On l'avait déjà trouvé hier. Ah non. J'ai encore trouvé un truc du chef-d'œuvre de papa. Ah, Moumine. Oh, de l'eau. Ils ont émulé la marche? Non. Encore toi?
Ouais, j'ai trouvé un meilleur endroit. Mais on dirait que ces souris aimeraient bien rentrer chez elles. Sérieusement, eh bien je refuse de bouger à nouveau. Le tambour me donne envie de bouger. Je dois l'admettre, c'était assez plaisant. Je suis heureux et maintenant, on dirait que tout le monde l'est aussi. On fait des quêtes sans le savoir, hein, je tiens à préciser. Ça coule de source, hein, comme on dit. Ah. D'abord, on ouvre le raccourci. Voir ce qu'il y a en bas. Des pierres, très intéressant. Et on en aura besoin ici, d'accord. Pas d'eau. Bien bonjour, comment ça va? Horriblement mal. Je ne peux pas peindre sans eau. Et qu'est-ce qu'un peintre qui ne peint pas? Rien. Je peux vous aider à trouver de l'eau? Vraiment? Cela sauverait non seulement la situation, mais aussi ma réputation d'artiste. Vous pouvez utiliser ce bocal pour collecter les gouttes sacrées? Bien sûr. Je sais où aller. Ah, peut-être qu'il faut que je puisse monter. C'est pour ça, ça. Ça sert à ça. Ah, hop. Je connais la technique. Alors là, il y a pas... Si, il y a des gouttes sacrées ici. Ah, hop. Caché. Une goutte ici, je ferais mieux de trouver plus d'autres autre part, ok. Et là... Ah! Caché! Ok, deux. Il en manque une, mais je crois qu'on en a pas vu en haut. C'est pas là. Là. Voilà, ça y est, j'ai assez d'eau. Tenez mon cher. Voilà, un bocal rempli d'eau. Vraiment, enfin, je peux peindre à nouveau. Tenez, prenez ces gribouillis en échange. De toute manière, la littérature n'est pas vraiment ma tasse de thé. Allez-vous peindre? En ce moment, je pense à un point. Seul et unique. Ah, je comprends. Un point? Ah, mais pas n'importe quel point. Un point de brillance exceptionnelle, d'une grandeur inégalée. Je suis impatient de voir ça. Les quêtes s'enchaînent, hein. Ah, mais on revient là, d'accord. Je sens que c'est le parc qui est... Ah, le parc est là. C'est le parc qui prend l'eau. Pique toute l'eau du coin, je le sens. Je le hume. Ah non. Vous allez voir que tout d'un coup le jeu va se transformer en Metal Gear. T'en prie, libère-moi Moumine. Mon cher fils en prison. Je suis tellement contente que tu sois là, Mumrik. Y'a Mou? Eh, y'a tout le monde. Ok. Fin du jeu. Fini de jouer, donne-moi le trésor. Et oh, Moumine le troll aussi. Coucou Moumine. Bonjour petite mue. Mumrik,
Vous en priez, monsieur. Salut, Gouyouhou. Le gardien du parc, nous voulons seulement récupérer notre cher enfant. Alors, c'est de Tuff Johnson, Mumrik, si ça t'intéresse. Moumin, le troll est détenu car il est accusé de vandalisme et d'entrave au progrès. Ah, vandalisme, moi je valide. Hein. Il n'y a rien que je puisse faire maintenant, ce n'est pas moi qui fais les règles. Enfin si, c'est moi, mais le règlement c'est le règlement. Le progrès, quel progrès. Vous avez asséché la rivière, détruit la nature, chassé les animaux. Vous ne comprenez rien. Imaginez cet endroit une fois que mon système d'irrigation sera installé. J'apporterai de l'eau dans tous les parcs. Je suis en train de construire la vallée du futur ici. Ça suffit, libérez Moumin le troll. Sinon quoi? Et attention, on va découvrir que Mumrik est donc officiellement militant contre les méga-bassines et anti-décolonial, bien sûr. Vous allez voir. Anti-colonial, plutôt. Vous allez voir, on est là pour pouvoir foutre le bordel. Mumrik fait quelque chose. Quoi? Sinon quoi, exactement? Bonjour, Papa Moumin. Oh, Mumrik, que puis-je faire? Je suis un artiste, pas un guerrier. Ah là 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 là. Le secteur de la culture qui ne suit pas les manifestants. Mumrik, tu m'as tellement manqué, comment vas-tu? Je me sens tellement mieux maintenant que je t'ai trouvé. Allez, nous allons te sortir d'ici. Oh mon dieu, je crains que cela ne soit difficile. C'est le cousin du gardien du lac, du parc. Okay. Mon cousin peut être assez buté une fois qu'il a décidé quelque chose. Ne t'inquiète pas, Moumin, je trouverai un moyen d'y parvenir. Comme toujours. Halte là. Ah, les keufs. Il doit y avoir un moyen. Mon cousin, le gardien du parc, garde la clé de prison dans son manoir où elle est surveillée en permanence. Cependant, il ne quitte presque jamais sa maison sauf pour les affaires officielles. Ou lorsqu'il va voir une pièce de théâtre. Ah ouais, faut trouver toutes les tous les chefs-d'œuvre de papa, Moumin. Vous avez dit le théâtre? Mumrik, j'ai une idée, je ne peux pas te le dire ici, mais retrouve-moi à côté du vieux théâtre et je t'expliquerai tout. Ok, la culture est avec nous, je crois avoir deviné le plan. Et il me plaît beaucoup. Les artistes ont pris la voix, on peut commencer à faire le tambour. Vous êtes prêts? Alors attendez, parce que c'est pas par là qu'il faut sortir. Alors. Oh, j'y arrive plus. Je peux pas le... Bonjour. Ok. Bon, le théâtre. C'est à côté le théâtre normalement. Papa Moumin! J'ai réussi, j'ai trouvé un plan ingénieux pour libérer notre cher Moumin. C'est génial. Alors je suppose que nous allons pouvoir monter une pièce? S'il te plaît, Mumrik, laisse Papa Moumin parler, c'est important pour lui. Merci maman Moumin. Alors mon plan est de mettre en pièce une pièce en scène pour attirer le petite mue. Silence, j'ai une idée, nous devons mettre une pièce en scène pour attirer le gardien du Papa Moumin était en train de parler, laissons-le finir. Génial, je vais devoir reprendre depuis le début. Bref, mon plan est de mettre en scène une excellente pièce pour faire sortir le gardien du parc de sa maison. Quel génie! Je n'y aurais jamais pensé. Compte sur moi, quelle était l'idée précisément? Il va nous falloir une pièce. J'en ai écrit une, mais elle s'est envolée aux quatre coins de la vallée des Moumins. Nous aurons besoin des vieux costumes. Aux dernières nouvelles, c'est la Filigonde qui les gardait. J'ai réussi à réunir les membres du vieux groupe, mais ils devront répéter. Et nous devons distribuer des invitations, dont une pour le gardien du parc. Mon dieu, il y a trop de quêtes. Si vous vous imaginez que je vais faire ça toute seule, vous avez perdu la tête. Préparer des invitations, tu pourrais aider Mumrik à les distribuer. L'aider, je vais faire la course avec lui, oui. Celui ou celle qui finit de distribuer les invitations en premier sera la personne préférée de Moumin le troll. Ok, petite nuit. Ok.
Est-ce qu'on aura le temps de finir? Ça, c'est la grande question, parce que je dois m'arrêter dans... 20 minutes? Même pas? Ok, donc... Le bon vieux groupe, ça fait une paye. Écoutons-les un peu. Boum, boum, boum. Ah ouais. Tout est prêt pour le spectacle. Maintenant, j'aurais bien aimé être là, mais j'ai des choses à faire. Je donne les... Le groupe joue beaucoup mieux maintenant. Exactement comme au bon vieux temps. Nous aurons besoin des vieux costumes aux dernières nouvelles. C'est la fille du compte qui les gardait. Il faut distribuer les invitations. Ok. Ok. On a beaucoup de choses à faire. Oh mon dieu. Où est les costumes? Bon, on va aller là. Hein. Alors, on va aller peut-être donner les invitations. C'est sur le chemin, je crois. Encore vous, je vous ferai arrêter pour intrusion illégale. Si je suis venu, vous proposer une trêve, un traité de paix si vous voulez. J'ai des invitations pour le théâtre, une nouvelle pièce intitulée La Mélodie de la Vallée des Moumines, en signe de remerciement pour tout le travail important que vous avez fait dans la vallée. Vous êtes sincère, personne ne m'avait encore remercié. Ça me touche beaucoup, je travaille si dur, c'est bien de savoir que quelqu'un apprécie, et j'adore le théâtre. Je suppose que j'ai bien mérité une petite pause. Je vous en prie, amenez vos amis. Les amis? Les agents de police, c'est eux aussi, ils travaillent dur. Ah oui, c'est vrai qu'en un sens, ce sont mes amis. Remarquez avec qui je les... Avec ce que je les paye, c'est bien la moindre des choses. Mon dieu. Mon dieu. Une pièce ici dans la vallée des Moulins, quelle tenue vais-je mettre? Ok, c'est parti. Ça, c'est bon. Ah, j'avais pas vu l'heure, hein. On va devoir speeder. Hein. Est-ce que eux, ça compte aussi? Gardien du parc veut que vous veniez. Alors, le travail consiste à se détendre, c'est ça? Ok. Je vais impressionner le gardien du parc. Ok. Bon courage, hein. Et là, on peut aller par où? Ok. On va faire ça déjà. On n'a pas le temps. Où as-tu caché la clé? Si je te le disais, il faudrait que je l'enterre dans le sable. Avec la clé. Dis-le moi s'il te plaît. J'emporterai ce secret dans ma tombe, dans le sable là-bas, à côté de la clé. S'il te plaît, dis-le moi. Ce secret sera enterré avec moi, comme les clés, dans la salle. Dans le sable. Elle est archi bien. Très bien écrit, là. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Vous remarquez à quel point je suis discret. Ah mais non, c'était un mur. Oh. J'aurais pu le faire. Mais je vois pas comment je pourrais faire. Il est bloqué. Il est bloqué. Eh bien enjoy, hein, gars. Ah il m'a... il m'avait pas vu, lui. Je peux faire toute la traversée. Oh là, c'est incroyable. D'après ce que j'ai compris, il tourne dans l'autre sens. Ouais, voilà. Caché, derrière. Tout va pas. Aucun problème.
Refred et Gouillou, salut Fred. Oh bonjour les percus. Exact. Hop. Normalement je finis dans peu de temps parce qu'en fait j'avais pas vu l'heure mais là c'est fini hein, dans pas longtemps. J'espère finir le jeu quand même avant. On n'a pas besoin de bouger ça? Ok. Mais je savais pas qu'on pouvait faire le parc maintenant. Du coup on le fait maintenant hein. Ah forcément c'était celui-là, j'étais sûr. J'aurais pu le faire du premier coup, incroyable. J'ai pas compris l'histoire de la pierre. Il se retourne? Ah oui, ça a coupé le mon son, c'est ça? Pas hein pousser là, ok. Elle lui cache ce qu'il y a derrière. Oui, ça devait être ça. Ah, il est trop bas, là. Ok. Il est trop haut, plutôt. J'ai vu l'heure. Je vais même pas pouvoir finir. Quel enfer. Ah, c'est pas grave. On aura fait un bout du parc. Voilà, on va s'arrêter là. Je suis désolé, mais je pensais qu'on allait finir le jeu, mais non, pas du tout, en fait. Je pensais pas qu'il allait être aussi long. Ouais, longue durée de vie, je confirme. Bon, si ça vous va. Vous laisse là. Je pensais pas qu'on allait avoir autant de temps. J'avance au max de ce que je peux, mais... Oh misère! Des petits selves. Ben voilà. Ouais, longue durée de vie. Ah non! Je sais même pas si je dois aller par là. J'ai regardé. Bon, allez, on s'arrête là. Ah bah si, c'est sur le chemin pour aller là, en fait. Trouver les costumes, c'est le chemin, hein. Je vous laisse là, on se capte je sais pas quand du coup. Je pensais le finir en deux jours mais non. Et si on se disait qu'on irait quelque part? Alors par contre je sais plus où parce que là c'est compliqué. Où est-ce qu'on va? Ah bah il y a Franck Brusset qui fait du Warhammer. Allez on va voir Franck Brusset. Oh les sous-titres, allez je les enlève. Hein. On peut même pas les mettre à jour.
Salut! Je sais pas quand qu'on revient, mais dans pas longtemps, j'imagine. À plus!